J'ai envie de regarder tes bêtises, tes youtubeurs blocs. J'ai envie de regarder ça, quoi. Voilà. Moi, je connais, il est là. Toi, tu fréquentes trop ta mère. Quelle est la première grande civilisation? La Perse. Tu connais? Avec qui se... L'Égypte. Quoi? L'Égypte, en vrai. L'Égypte. Tu connais des Arabes? Je connais tout. Je ne sais pas où il va à l'école. Bah, you go to school, Indonesian school, Aja. Pour en prendre la deuxième. Première écriture. La ville s'éveille en douceur. Les habitants ont dormi sur les terrasses, beaucoup plus fraîches que les fleurs. Les textes qui ont été qu'est-ce que tu dois regarder ça, Pico? Qu'est-ce que tu dois regarder? Ah non, oui, you know, like, to do what the story, yeah. Les premières écritures. Les marchands interpellent les passants. 4 minutes. L'activité commerciale de la cité est intense. Donc c'est à quoi? L'Orient en Mésopotamie. Et en Égypte. Oh, j'aime bien le signe. Oh, j'aime bien le signe. Tu vas étudier tout ça. Toi et toi, on devra aller en Égypte. On y va un jour. Souda et tout. On porte mon Souda, Péra. Souda. Ah, c'est moi, non, je peux t'emmener. Même chose. Tu fais des fautes? Non. Oui, au retour. Des classes que je copie quelque chose que j'ai déjà copié. Les solutions évoquées, les solutions avec un S. Bon, bah, écris bien, bien, ni de like. Arrête! Maman, toi, c'est... avant, tu dis que c'est une belle écriture, mais toi, tu veux que j'écris comme ça. Je sais pas écrire comme ça. Il tourne les lettres dans l'autre sens. Toi, tu veux que tu m'écris comme ça. Mais j'aime pas écrire. Non, c'est bien écrit comme tu peux. Essaye juste d'être... Ok, tu se fais bien. J'arrive pas à voir. Papa, toi. Non, c'est bien. Il y a juste faute. S. Solution. Évoquer, c'est E-E-S. Ok. De manière entièrement durable. Précédemment, énergie, déplacement. C'est bien que tu mets un peu les accents. Mais on remet aussi au goût du jour les techniques anciennes. Rue droite, ombre. Tour d'aération auquel on a ajouté des brunisseurs. Ouh, je dois lire moi aussi, hein. C'est bon, tu vas aller à la COP 28, toi, tu vas aller à la COP 29 avec ta prof. C'est bon, c'est... Je pense que elle vote, là, c'est même plus de l'extrême gauche, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, François? On parle politique. Arrête de politique, politique. Choses, hein. C'est un peu bizarre parce que c'est un peu politisé, ça, quand même. Ça c'est vrai que c'est un peu favorable en un sens. Allez, mon après, je préfère ce sens que l'autre. Hein. Oui, vaut mieux que tu parles de ça que ça, c'est... Stop speaking politique. C'est pas politique du tout. Politique Indonesia, my next president is Pak Ganjar. Ta mère va voter pour le... Pak Ganjar and Pak Mahfud. Ta mère, elle vote pas pour...
Pour faire qui? Voter pour qui? Je pense qu'elle aura fait une S. Pas Ganjar et pas Mahfoud, it's the best. Énergie, il n'y aurait pas un S à énergie? Il y a plusieurs énergies, non? Ouais. Énergie. C'est les énergies renouvelables, normalement. Alors, renouvelable avec un S aussi, alors. Non, mais il n'y a pas renouvelable. Énergie, déplacement et recyclage. Ok, alors tu mets tout avec un S. Mm-hmm. Parce que c'est une liste. Mon yad. Voilà. Mon yad, mon coup de poing. Mon yad, mon coup de poing, mon yad. Donc, recyclage, après recyclage. Mais. T'as pas mal au gosse, Ali? Il n'est pas l'air d'être mal. Arrête. Attends. Mais. Alors. Mais. Remets. Remets aussi au goût du jour. Au goût du jour. Au goût du jour, oui. Ok. C'est toi qui l'as fait la phrase, je vais pas mettre ma façon parce que je vais pas écrire pareil. Regarde correction la mathématique là, François. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. 19. Ça prend 2 minutes. Pourquoi? C'est facile là? C'est trop facile ça. Oh, too easy. Trop facile. Mais ça, t'as quelque chose à répondre là? Il y a quelque chose à répondre là? Bah non, faut juste que j'ai mis ça en surlignage. En clair? Ok. J'ai mis du temps à recopier ça. Non, mais. Quoi? Bah oui, mais c'est quand même, hein. C'est pas une ligne ça. Ça, il faut que tu le colles. Mais ça, t'as pas travaillé encore ça? Non. Tu l'as pas encore fait? On n'a même pas mis le surlignage pour te dire. J'ai commencé. Il est où le verre? Ouais, sympa. Alors, qui c'est qui a su traduire les hiéroglyphes? En français, non? Et comment il s'appelle? Je sais pas, mais je sais qu'il est le premier hiéroglyphe. Ah non, je sais déjà. En fait, les Égyptiens, ils ont donné à cette personne. Et cette personne l'a ramené en France. Et l'a mis... Il a réussi à les traduire. Mm-hmm. Il s'appelle comment? Christophe, je sais pas. Indra. C'est un Lyonnais. Un Lyonnais. Mais je sais que le monument, il est à Paris maintenant. Oui, il s'appelle Champ. Champs-Élysées. Champollion. Champollion. Ok, c'est à retenir, ça fait important. Il le marque même dans ton livre. Champ qui? Champollion. Champollion. Qui a traduit les premiers hiéroglyphes. C'est où? Marqué, je l'ai lu à sa maison. Premières écritures, installe hiéroglyphes, le tombeau de la princesse, les hiéroglyphes. Quelle est la première écriture citée de la naissance? Les écritures égyptiennes, des hiéroglyphes, des signes. Et bon. Très bien, mon fils. Je suis fier de toi.